to beat all the rest. Care for the West, with my friends, cause they all know the very best to get them all the close. Et donc, salut tout le monde, on se retrouve pour le 8ème épisode de mon Let's Play sur Pokémon Crystal. Donc, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent qui n'est pas encore uploadé à l'heure où je fais la vidéo, donc il sera uploadé dans la soirée. Donc aujourd'hui, on est le 16 décembre 2012. Il est 16h45 quand je fais la vidéo. Donc, normalement, la vidéo devrait être publiée vers 18h30 à tout casser. Et bon, ça arrive, je vous le dis, c'est parce que je publierai l'épisode 8 après, voire mercredi après-midi. Donc bon, ça sert à rien que je vous le dise pour l'instant. Donc la dernière fois, on est arrivé à Doublonville après avoir récupéré le Pokémon du propriétaire du four à charbon dans le bois au chêne. Et donc on avait vu la tour radio, le souterrain et c'était, je crois. Enfin bon, je regardais un peu. Donc avant de faire cette arène, donc pour attendez, je vous montre d'abord, j'ai rien touché à Pokémon, ils sont tous niveau 17, 16. Bon, voilà, 17 et 16. Ouais, donc avant d'avoir fait ça, je ne rattrape pas un peu le temps, comme dans chaque épisode maintenant, je pense. Pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Je regardais un peu sur internet. Et donc, ben les amis, je vais faire ce que je pense, ce que je dois faire. Je n'avais pas dit problématique, donc est-ce qu'on va réussir à vaincre le champion de cette arène et obtenir son badge. Est-ce qu'on verra ce qui se passe dans cette tour radio là-bas, si je ne me trompe pas. Et est-ce qu'on a raté des choses à lutter dans la ville. Et la réponse est oui, car je vais vous montrer. Et donc en premier lieu, je vais vous montrer le marchand de vélo qui est ici, si je ne me trompe pas. On va voir. Ouais, c'est ça. Donc on va y aller. Voilà. J'ai déménagé ici, mais je n'arrive pas à vendre mes bicyclettes. Dan Marie. Pourquoi? Pourrais-tu faire de la bicyclette et me faire de la pub? Ah oui, pas de problème. Vraiment, génial. Donne-moi ton nom et ton numéro de téléphone. Je te prêterai une bicyclette. Sacha emprunte une bicyclette. Sacha met une bicyclette dans le poche rare. Les bicyclettes sont trop bien. Tu peux en faire partout. Ok. Mais écoutez, mon deuxième. Attends, on va aller dehors d'abord. Et donc, on va essayer d'utiliser une bicyclette. Hein. Donc, c'est dans rare. Bicyclette sélectionnée. On va voir si c'est mort, si je fais un bon, comment ça s'électe. Allez, voilà, comme ça. Et vous voyez, bon, on peut faire de la bicyclette, c'est génial. Bon, pour l'instant, ça sert à rien. Dans l'épisode précédent, vous me direz si je dois éviter de faire de la bicyclette ou non. Enfin bon, voilà. Ensuite, on n'est pas allé dans le casino dans l'épisode précédent, donc on va y aller. Et si c'est là. Oui, c'est bien là. En plus, dans le studio, on avait récupéré la boîte des jetons. On peut avoir jusqu'à 9999 jetons, comme il est écrit. Enfin, bon, regardez. Bonjour. Je n'arrivais pas à gagner aux machines, alors j'ai essayé des cartes. Mais il n'y a rien à faire. Quand t'es nul, t'es nul. J'ai jeté ma boîte de jetons dans le souterrain que je vais récupérer. J'ai appris bizarre à mon Pokémon. J'ai du mal à récolter assez de jetons, mais ça valait le coup. Je pense que oui. Vous n'avez pas de jetons. Ah, faut que je jette des jetons. Okay. Tout le temps, cette machine a mis plus de mots que les autres. Enfin, je crois. Bon, les amis, je vous propose qu'on y vit. Là, vous m'avez dit. Merci. Et vous, des jetons. Ah. Non, je préfère gagner de l'argent. Non, bah les amis, écoutez, non. On y jouera une prochaine fois.
que je préfère m'acheter éventuellement de potions. D'ailleurs, est-ce que... Oh merde, non, je ne l'ai pas trouvé. On va monter, hein. Voilà. Dans l'épisode précédent, oh non, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, comme je suis un bleu, hein, je l'avoue. Bien, peut-être que je l'ai vu. Peut-être que je, comme je suis pas allé voir tous les étages aussi. Ah, lui, là. Il m'a pas demandé. Acheter. Ah, ben voilà! Ils sont, non, pas 99, mais 5, c'est raisonnable. Hein. Je rappel... Elle me rappelle, j'en ai besoin. Voilà, qu'est-ce que je suis pauvre, les amis. Donc, je vous promets, dans le prochain épisode, je vais exprimer mes Pokémon. Donc voilà, je vais exprimer mes Pokémon. Ben, je pourrais acheter plus de choses avec l'argent que j'ai gagné parce que sur la route où il y a la pension Pokémon, là, juste avant, plus loin, par là exactement, j'ai pas affronté tous les dresseurs encore. Comme je vous l'ai dit, là, je fais deux épisodes en une journée, donc j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. J'ai pas eu le temps de voir les autres dresseurs là-bas. Donc, une fois fait, voilà, c'est fou, non? Et je vous propose aussi le questionnaire là, que j'avais un peu épique fail dans l'épisode précédent. J'ai pas très bien compris la question aussi. Je vous l'avoue, attendez. Donc, on va avoir un coupon, je sais pas comment, je me rappelle plus. Coupon radio, voilà. Ah, ok, comme ça, on pourra écouter la radio. Eh bien, oui, j'ai bien joué. Y a-t-il un Pokémon apparaissant uniquement le matin? Ah bah oui, c'est juste. C'est exact. Qu'est-ce qu'on dit? La proposition est-elle correcte? On ne peut pas acheter de baies à la boutique. Oui? Oui, c'est juste. Bravo! Question 3. CS1 contient-elle flèche? Non! Contient un couple. Albert est-il le champion de mobile et un utilisateur de Pokémon oiseau? Oui, je ne suis pas trompé, je me rappelle plus. Encore gagné, voici la dernière question. Salamèche apparaît-il sur les machines à sous au casino de Bourville? Non? Oui! Je n'ai même pas joué, je connais la réponse, les amis, c'est ce qu'on appelle un boss. Bingo, gagné, félicitations! Voici ton prix, coupon radio. Ouais, je suis un boss. En plus, je me répète un peu. Eh bien, écoutez, les amis, je vous propose d'essayer d'écouter la radio. Non, écoutez, ma pièce, radio, là. Ok. Bon, du prochain. Avec moi, Lila, beaucoup, et près de 34. Ok. C'est tellement effrayant. Si vous dites ce qu'il faut, et près de 31. On sait rien, on va continuer. Ce qu'il faut était vraiment protégé. Ratata, et près de. Oh, mes amis, ça m'ennuie. Ah, musique Pokémon. On va écouter un peu de musique, les amis. C'est moi, DJ Ben, ce dimanche. On s'écoute. La fanfare Pokémon. Yeah. Oh, pas mal la musique, les amis. Enfin, bon, je vais pas rester trop longtemps. Yeah. Comment ça gaz, les gars? Bien, si t'as la pêche. Ou pas le moral. N'aura jamais le bon numéro. Cette semaine. Le numéro est 18122. Ah mais oui, je l'ai déjà. C'est ce que j'avais vu dans l'épisode précédent. Enfin. On va voir. Non, il n'y a plus rien. C'est nul. Ah. Il n'y a plus rien. Excusez-moi. Oh, ça. Écoutez. Mince. C'est vrai, on peut écouter. Ah. J'arrête la radio. On va écouter le son du jeu. Donc, vous avez vu à quoi ressemblait la radio, les amis. Donc, bon. Maintenant, je vous propose d'aller faire l'arène.
Bon, je regarde un peu sur internet, on n'a pas des Pokémon qui sont en bon niveau, mais bon, comme j'en ai pas mal, je vous propose d'essayer de relever le défi, car je n'ai pas encore eu, donc ce qui est logique. Et ben, donc, on va essayer de faire cette arène avec des Pokémon de level 16 et 17, et même 18, pour faire le son, contre des Pokémon de niveau, et là vous allez voir tout de suite. Bonjour. Elle, Graine de Star. Cette arène est composée de dresseurs de Pokémon de type normal. Normal. Je te conseille d'utiliser des Pokémon de type combat. Alors, je crois que Rattata a trop de morts. Mais trop de morts, je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas si c'était. C'est du normal, hein. C'est du normal. Je me suis trompé. Par contre, non, ça c'est si proche. Bon, on va essayer, les amis, qu'est-ce que vous avez? Je n'ai peur de rien. Oh, mince. Oh, tu es un sacré numéro, toi. Mimi, en plus, tu t'aimes bien, mais tu ne passeras pas comme ça. Oh, si tu m'aimes bien. Non, 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 je ne dirai rien. Non, pas dans une vidéo, non. C'est moi qui avait écrit Camon. Je rêve un peu. Oh, de mort! Ah non, il est niveau 9! Waouh! C'est peut-être la championne en fait. C'est des bottes de haut niveau. Comme je l'avais dit. Enfin bon, comme on dit, faut pas tout croire à ce qu'on voit. Mais enfin bon. Finesse. Retrace. Ah, là c'est plus intéressant déjà. Niveau 17. Yeah. Donc je vais réussir une fenêtre. Ben oui, pourquoi pas. On va envoyer un Pokémon de niveau 16, donc Racaillou. Alors, on va avoir moins de niveau 17. Oups. C'est pas grave. Mais c'est bon. Plutôt que l'attaque, j'ai deux points, un point. Non, proche. Plutôt. J'ai deux points. C'est ça, j'ai deux points. Allez! J'ai pierre. Okay. Allez, presque. Charge. Ça ne fait rien. Ça n'est pas très efficace. C'est un dur. Mais je peux le dire. J'ai deux mots pourris. Enfin bref. Victoria Canon. Oui, j'ai bien vu. Victoria Canon. Non, je ne dirai rien dans cette vidéo, je vous ai dit. Non. N'insistez pas. Bon. Vous n'avez pas compris, je me comprends. C'est déjà ça. Non, on va pas regarder Rattata, quand même. Non, j'ai envie de prendre mon Racaillou. En plus, je suis niveau 17 aussi. Ah, non, j'ai envie de les affronter tout. Hein. Fais de tourner où je t'aurai. Ok. Car là, quand même, on peut se battre, c'est tout des canons, quoi. J'ai rien dit. Miaos! Oh, il est trop chaud. Oh, il est bien fait. Le sprite est bien fait. Je vais chercher le nom. En plus, on va gagner de l'argent, les amis. Enfin, je vais pas paraître à Dan, mais on va dire des Poké de l'art, c'est quand même. Nice. Non, on est des fifous, les amis. Par contre, je vais utiliser une petite potion. Non, bah, on va essayer. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Yeah.
Aïe, je n'aurais peut-être pas dû. Enfin bon, c'est bien. Ah mon dieu, j'ai la trouille. Bon, on a la trouille, mais en attendant, envoyez une autre petite fois de mousse. Merci. Aïe. Est-ce que ça marche? Ah non, ils vont m'escalader. Bon, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ben, on va avoir une égale. Ici, c'est sûrement pas les bons Pokémon que je lui envoie, mais. Il va me faire trancher, je vais mourir. Non, même pas. J'ai un peu de chance, je vais me poser. Non, même pas. Bon, tant pis, on va y aller de manière surprise. On va utiliser ce récent. Merci. Allez. Ah, mais il n'y a même pas plus ses PV. J'ai encore oublié de soigner, mes amis. C'est pas bien, c'est pas bien le bon petit chien. Faut pas que je dise, il faut que je le mette quelque part. On va utiliser coupe, sinon on va jamais utiliser en combat. Enfin, l'animation n'est pas vraiment. Mais si tu vas le mettre quand celui-là. Et ben là, tout de suite. Alors, attendez, cherche un truc. Mince. Oui, c'est là, voilà. Voilà. Super potion, mais bon, voilà, c'est bon. J'en ai qu'une, je crois. Ouais. Mais après, je les arène, c'est toujours les mêmes. 100 millions de Pokémon, ils sont terribles et tout. Le langage Pokémon de l'époque cristal était vraiment très développé. C'est Pokémon, il a un nom qui est fort fort. Non, je pense à un truc, mais ça va faire de la pub. Alors, non, je vais pas le dire. Si vous pensez comme moi, ne le dites pas dans les commentaires. Oui, j'ai oublié de dire dans la vidéo précédente, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est juste en bas à gauche de la vidéo. D'éventuellement partager, c'est juste à côté. Hein. Le pouce rouge était juste à côté de vous, n'en occupez pas. Hein. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme l'interface de YouTube a changé, c'est plus au-dessus de la vidéo, c'est en dessous de j'aime, en tout petit. Enfin bon, c'était juste une indication. Hein. Voilà. Et les descriptions que je mets hein, quand même dans les vidéos, vous pouvez les lire, hein, ça peut être intéressant parfois. Enfin bon, voilà. Voilà. Non, je suis parfait, je suis fort. Qu'est-ce que je vais. C'est tout, c'est tout. Bonjour. Ok, je vais déposer mon fort. Ici, j'en ai mis qui font ça, il est mignon et fort à la fois. LOL. Ça fait. 20 minutes, non, 19 minutes, et très précisément, 38 secondes? Non, je sais plus. Non, c'est pas grave. Ça fait 20 minutes en tout cas. 3 vidéos, qu'est-ce qu'il est chou? Oh mon dieu, il est trop mignon. J'ai de pierre. Par contre, ne me lance pas
truc comme épineux, des trucs du genre. Quoi. Je sais plus comment ça s'appelle la plaque de bambou. Oh mince, je mets ça, je mets ça. Oh mon dieu, je me rappelle plus. Bon, les amis, on n'a pas trop de difficultés là pour l'instant. Bah oui, parce qu'il est niveau 17. Hein. Ah, mais il est KO. Oh mince. Je vais envoyer, je sais pas. Plus tard, allez. Pourquoi? Comment ça va? Niveau 15. Bon, c'est pas grave, le niveau 15. Oh, si on faisait une pause. Il va faire dodo. Oh, d'ailleurs, dans les nouveaux jeux Pokémon, maintenant, quand on endort un Pokémon, il ferme les yeux. Si vous n'avez pas remarqué, ben, regardez bien. Parce que je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps, en fait. Je trouve ça que c'est marrant. Je trouve que c'est marrant. Bon, Stylo, il ne faut pas grand chose. Donc, il cumule non plus. Donc, je pense qu'un petit ratata, ça pourrait aller. Non? En pension, maintenant vous pouvez vraiment faire. Je peux suivre. C'est bien. Oh, demain. Effectivement, c'est pas mal. Et crasse face. Vive attaque. Ciao. Cette fillette va utiliser un rendu 2, je vais changer tout le temps, on va pas prendre le reste. Bon. Ah ouais, quand même. Il a la trouille, on va faire vive attaque. C'est une stratégie, bah il ne va plus la chair. On se devrait s'obliger que d'autres gens découvrent. Bon, c'est sympa. Non, 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 non. Oh, c'est simple, c'est de l'art. Bon, mais les amis, je crois qu'on va arriver à la championne, hein, qui presque. On va en voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus de mon mieux. Bon, lui, il est quand même. Moi, je vais le remettre à papa. Pourquoi? Sinon, c'est mon chouchou. Comme une certaine voix. C'est qui? Oh, c'est Blanche. Tout le monde aime les Pokémon, alors moi je fais comme les autres. Les Pokémon sont super mignons, pas vrai? Ça te dirait de te bastonner un peu? Je préfère te prévenir, je suis très forte. D'accord. Pas de problème, je suis prêt. D'ailleurs, si vous avez vu, la championne s'appelle Blanche. Est-ce que c'était significatif de la version Blanche en Nintendo DS? Je ne pense pas, mais peut-être qu'ils savaient ce qu'ils dit. Si on faisait une version blanche, un jour, ou pas. Enfin, bon, ça, c'est une imagination. Mais bon, ça veut, hein. On ne peut pas tout prévoir chez Nintendo. Je n'ai rien, que ça ne fait pas depuis le début. Non, non. Je n'ai rien, je n'ai rien entendu. Je refais de la pub pour un youtubeur. Excuse-moi. C'est pas vrai. J'ai arrêté de parler. Je parle pour. C'est pas assez, même. Voilà. Ah, mon dieu. Il attaque. Yeah. Vas-y, écrémo. Bon, je vais prendre un Pokémon type normal, mais j'ai envie d'utiliser, je sais pas, Pika. Quoi? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il est? Oh là là, niveau 20, mon dieu. Mon dieu. Bon, c'est pas bon. Hypnose! Mon dieu, roulade, c'est pas bon ça. Dodo! Dodo, dodo. Quand je vois que c'est là que je fais des sons. Ouais. Mais ben voilà, les amis, désolé, mais ce son est plus apte à combattre et combler. Good.
un petit flamèche. Je trouve que dans ce jeu, les Pokémon dorment plus longtemps que dans les versions récentes, actuellement. Quelques Pokémon blancs et blancs bleus. Bon, là, il est pas resté endormi longtemps, mais quand j'ai fait exprès mes Pokémon hors caméra dans des épisodes précédents, des Pokémon qui dormaient pendant 5, 6, voire 7 tours. Bon, ça, c'était rare, 7 tours, mais c'est court quand même. Mais bon. C'est bizarre, quoi. Ah, ma gueule. Il a mis KO. Oh là là. Rakaï, les amis, Rakaï. Il va me faire rouler, c'est plus proche, c'est pas grave. J'ai le temps de lui faire un petit rappel. Non, ne fais pas rappel, méga Pikachu. Eh ben, si, il est ici. Faut aussi le revitaliser. Ah, ça, c'était mieux que maintenant quand on dit. X Pokémon n'est plus KO. Je sais pas comment t'es déjà. Enfin, tu t'en prends. On lui va mettre KO là. Oh, c'est beaucoup en persil. C'est un super potion. Ah, on ne fait pas super potion. Et si, et si. Ah. Oui. Ciao. Il reste une gale. Mais... je vais prendre une gale. Qu'est-ce qu'il peut faire, non? Ténèbre. Ah oui, il y a la ténèbre, c'est vrai. Par contre, il va mettre KO, non? Non, ça va. Ok, monsieur. Bon, non. De toute façon, on va perdre, hein, les amis. On va faire une attaque pessimiste. Hein. Pourquoi je fais ça? C'est pas vrai, finalement. Mon dieu! KO! Il va mettre quoi, mon Pokémon? Dans la réflexion, voilà. Bon, on va essayer. Ah, mais là, oui! C'est bien ça. Comme ça, c'est inventé. S'il fait une super potion, l'autre là. Oh là là, il est à boire. Non! Non, faut qu'on commence! Non, ça, dans chaque version, c'était comme ça. Là, sur le dernier Pokémon, il m'a resté quoi? C'est pas beaucoup de PV. Et là, il utilise une potion, une super potion, une guérison maintenant. Mais ça, c'est une injustice. Mais c'est fini, les amis. Alors, normalement, je ne suis pas tenu. Le prochain coup. Après mes calculs, qui seront sûrement incorrects. Mais ils sont incorrects. Ah, mon dieu, Mega Pikachu, tu as fait l'erreur de ta vie. Les amis, je crois que. On va perdre. Et si on perd, qu'est-ce que vous voulez, ben mauvaise idée, mais c'est pas grave. Je ne sais pas où on en est, les amis. Mais hein. Écoutez, je crois qu'on a perdu. C'est l'épicerie de la vidéo. Hein. On ne manque pas. Bon, c'est pas grave, écoutez. Moi je propose qu'on perde, qu'on refasse l'arène après. Juste là, juste après. Mais écoutez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire là. Prochain appel Pokémon en forme. Prochain leur jeu. Moi je suis 60 Pokémon, mes amis. Mes Pokémon sont soignés. Je vais acheter des objets. Parce que j'ai gagné un peu d'argent quand même. Et on va en faire vite fait cette arène. Et normalement, vu que cette arène est plus intelligente, enfin moins intelligente, je dirais, c'est plus logique, je ne devrais rebattre que le champion, je crois. Donc je vais m'acheter des potions éventuellement, un rappel ou deux. Potion, non, super potion. Enfin, potion. Ça ira pour l'instant. Ouais, non.
Là, j'en ai un pour l'instant. On va le faire avec ça. Donc, je vais descendre. Je vais tuer ça. Et on va refaire la même. Bon. C'est pas grave, les amis, ça sera un épisode de la même durée que l'épisode 7. Vraiment désolé. Mais... Dans le prochain épisode, j'aurai plus le temps de XP, de Pokémon. Je vais mettre environ au niveau, je sais pas. Je dirais niveau 25, c'est mieux, je pense. Du coup, je n'en peux plus le refaire. Bon, écoutez, les amis. Du coup, je l'ai déjà fait, c'est un peu juste de le refaire. Bah, vous voyez, on peut les refaire pas. Normalement, il est vite envie de refaire. Et donc là, on va utiliser qui génère attaquant par position. Bon, dès que c'est le premier qui arrive, on va utiliser la situation. Bon. Ouais, c'est bien. Enfin, moi, c'est bien. Oui, ils sont bien. Je pense qu'on est en place si tu veux aussi. Non, je l'avais prévu, hein, parce que la deuxième niveau 18 est 20, donc c'est quand même assez élevé. En plus, on va affronter les autres dresseurs. Donc voilà quoi. Ah, tata, go! Pas trop de mort, on a fait tout à l'heure si je me trompe pas. Bon, j'ai raté la traque. Oh mon dieu. Je me protège. Ça fait quoi déjà ça? Ça protège? Je crois que ça enlève les critiques. Je connais pas trop les attaques, moi. Coupille. Genre, il vient de coupiller, il vient de tactique normale. Après, on prend mort. C'est génial, ça. Aujourd'hui, si tu fais ça sur un Arcus, tu te dis, oh mon dieu, c'est génial. Et là, tu fais une attaque, c'est génial. Ouais. Dis-moi si vous avez entendu mon frère. N'est-ce pas, hein. On est niveau 18. Yeah. Non, on va essayer de prendre. Oui, on va prendre du souhait. Pour ici, si vous voulez, on va prendre du mien. Enfin, non. En fait, je suis trop mignon. Enfin, mignon, parce que c'est une femelle. Mais je respecte la femelle et le mâle. Oh mon dieu. Tiens, en parlant de mâle et de femelle, maintenant je suis amoureux, moi, hein. Attaque, attaque, non, non, mais non. Merci. Roulade, voilà. Et voilà. C'est malin, hein. T'es plus amoureux. Non, non, tu ne l'aimes pas. Il est pas beau. Il est, enfin, il est pas belle. Elle est moche. Tu vas attaquer. Oui, ah, c'est bien. Attaque, attaque. Oui, c'est bien. C'est bien. Tu vas attaquer. Hâte, non! Je vais mourir! Attaque, attaque, non! Non, potion. Est-ce que c'est potion, potion, potion? Voilà. Croise les doigts, les amis, on croise les doigts. La mienne, hein. Aïe! Ah bah tant pis, c'est sûr, hein. Ça va, mais... Le pire, j'aimerais peut-être qu'il vienne une peu aussi. Voilà, ben... Ouch. I'm dead. So... on peut pas voir s'ils sont femelles ou non. Non. Tant pis. Bien, qu'est-ce que vous prenez? J'ai envie d'utiliser le racail. Pourquoi? Comme ça. Ah bon, j'ai Pierre, il fera du bien, je pense. Si la roulade me fait pas mal. Non, ça va. Ah, gars! Bon, moi, j'ai un peu. J'ai plus de rappel, là.
Oh, Fantomine, je sais pas si c'est à lui. Non, je sais pas ce que j'ai bien fait. Hypnose. Yeah! Génial. Bon, écoutez, mes amis, c'est pas nouveau, c'est ce qui va m'arranger. Donc, on va renvoyer Ratata. Et donc, voilà, il dort, il va utiliser Crawl Mort. Il se réveille pas, oui. Surtout, dort. Non, il va utiliser lui, dort. Allez, s'il vous plaît, les amis, faites que ça marche. Ça marche, ça fait, ça fait, ça fait. Oh oui, les amis, on a réussi. Ah là là, je suis trop content. 427 points d'expérience. On est au niveau 17. Yeah. Oui, nous avons gagné, les amis. Waouh, t'es un peu nul. Tu ne devrais pas te prendre au sérieux. Tu es trop jeune. Après tout. Demi, maintenant, je suis mature. Je suis un adulte. Waouh. Sniff et re-sniff. T'es pas cool. Hein? Oh non, t'as fait pleurer la blanche. C'est bon, elle va bientôt se calmer. Elle pleure à chaque fois, elle pleure. Tu me donnes tout ce que tu qu'est-ce que tu veux? Un badge? Ah d'accord, j'avais oublié, je prends le badge. Plein. Ou j'ai même pas vu, je sais pas pourquoi. C'est un instant d'aller lui reparler. Là, je vais repartir sans le badge, les amis. Le badge plein permet à tes Pokémon d'utiliser force hors des combats. Il accroît aussi la vitesse de tes Pokémon. On prend aussi ceci, sachant que c'était 45. Non, sachant que c'était 45 dans l'HCT. Cette attraction, ça développe le charme et le pouvoir d'attraction du Pokémon. N'est-ce pas en parfaite harmonie avec mon gentil caractère? Ouais. C'est cela, c'est cela. Enfin bon, je vais prendre. Donc, les amis, nous avons enfin eu le troisième badge du jour, hein, enfin, du jeu, du Pokémon Crystal. Et donc, je vous propose de continuer un petit peu. On va lui parler. T'as gagné, super, j'étais occupé à mater ces jolies filles. Mon dieu, c'est un pervers, vraiment, qui voulait rien dire dans cet épisode. Je vous jure. Le langage était vraiment. Donc on va soigner nos petits Pokémon, acheter 2-3 objets et on vous accélère ça déjà. Voilà, c'est fait. Et on va dans la boutique donc. Et on va acheter 3 objets. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est pas grave, je vous dis quand même. L'épisode 7 est à 97% de. Voilà, 97% d'enregistrement. Après, il va se publier automatiquement sur YouTube. Donc, je vous dis quand même, ça fait passer le temps. 99, non, je plaisante. On va en prendre. Ce serait temps de prendre des super questions, hein. C'est vrai. Comme je suis rumeur. J'en ai juste assez pour une, mais peut-être que est-ce que j'ai assez pour au moins un rappel, parce que c'est plus important un rappel. Alors, bon, un rappel. Oh non, j'ai même pas assez. Bon, tant pis. Dans le prochain épisode, je serai un peu plus riche, hein. Parce que, comment vous dire? Non, comment vous dire? Bon, je peux vous dire. Mais je vais utiliser mes Pokémon et vous affronter d'autres versions, ils gagneront de l'argent et je serai un peu plus riche. Enfin bon. Voilà quoi. En fait, j'aurais dû économiser avec ma normale. Donc ça, j'aurais été chercher mon argent. Enfin bon. Pas grave. Alors, on va voir si elle a tout. Il y a donc quelqu'un. Non, je crois que c'est plus tard dans le jeu qu'on doit y retourner. Donc les amis, moi je vous propose qu'on s'arrête ici, 40 minutes, et bien c'est très bien.
Et donc, ben, je vais vous laisser avec la problématique du jour, donc, que j'ai oublié dans l'épisode précédent. Et donc, quelle est la prochaine ville que va-t-on découvrir? Est-ce qu'on va réussir à voir ce qui se passe dans cette tour radio et cet homme habillé en noir devant, qui est pas très bon. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Et donc voilà. Donc on va continuer vers là la prochaine fois. Et donc normalement, ben voilà. C'est tout. Je pense que j'ai rien oublié d'autre. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Voilà, écoutez, moi je suppose juste d'y aller, juste pour voir, rapidement. Si j'ai l'arme, si je vais sur la route 36. Eh ben non, on verra dans le prochain épisode. Ma petite sœur a absolument tenu à aller le voir. Ça m'inquiète, n'est-ce pas dangereux? J'en sais rien. On verra ça dans le prochain épisode. Hein. Donc il y a un arbre, hein, apparemment. C'est un arbre. Les bouches dessus et donc moi je vous propose qu'on se revoit dans le prochain épisode et ça fait 41 minutes de vidéo donc sur ce je vous laisse et à bientôt. Salut.